Salut les amis! Bon, encore une petite vidéo ce matin. Je voulais vous montrer l'évolution des Nicobarensis qui est assez impressionnante. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos. Je voulais vous les montrer. Moi-même, je suis resté un moment sans les ouvrir. Hein, j'avais. Bon, ça c'est les détritus, hein, ça c'est. Ils les ont enlevés au fur et à mesure, ils les ont mis dans l'aire de chasse pour gagner de la place parce que là vraiment ils sont serrés. Donc je voulais vous montrer comment ça a évolué parce que franchement c'est un truc de fou quoi. Voilà, je vous laisse observer. Je vous mets pas de commentaires. J'ai coupé le chauffage parce que malheureusement le nid que je vous ai présenté hier, ça fonctionne pas pour les Fellas. C'est les galeries, la largeur des galeries, je pense, est trop petite. Donc j'essaye aujourd'hui avec les Nico. Sans conviction, mais bon, je les ai branchés, hein, je les ai branchés sur le nid. Voilà, les félas sont partis, hein, je les ai remis dans leur nid d'origine. Donc elles sont dedans, hein, il y en a quelques-unes dedans. Hein. Je vous dirai après si demain ou après-demain, je vous referai une vidéo s'ils ont déménagé, ce qui me semble improbable. Mais bon, voilà, j'ai revu le nid. Je pense que je vais faire autrement. Ça devrait fonctionner, mais bon, pour des espèces comme ça, voilà, faut. Bon, c'est un échec. C'est voilà, on essaye. C'est un échec. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais faire autrement. J'espère que ça marchera, hein, la prochaine fois. Donc voilà. Donc voilà, c'est les Nico. Je vous présente tous les mois. Hein. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je crois. Donc vous pouvez comparer la vidéo que je vous ai faite la dernière fois avec celle-là. Regardez, c'est impressionnant. Et il y a 3 chambres comme ça, je crois. Il y a des majors de cinglés. Ils sont. Regardez ça, là, c'est des nouveaux. Il y en a plein qui sont nés. C'est la tête des majors et c'est impressionnant. Elles sont vraiment. Et toutes les larves, les larves, le couvain qui est en dessous. Il n'y a que 2 gynes, mais franchement, le nid est blindé. Hein, là, ils ont plus de place. Faut vraiment que je les mette dans un autre nid. Voilà. J'adore ces couleurs. Franchement.
Voilà les amis, petite vidéo pour Noël, pour le réveillon. Je vous souhaite à tous un bon réveillon. Profitez bien, amusez-vous et je vous dis à bientôt. Je vous fais un suivi de ça. Merci beaucoup. Allez, à bientôt à tous.